Oui, alors donc du 18 au 21 juillet, beaucoup de noms, hein, mais les principaux noms, ce sont Status Quo, Purse pour la tournée d'adieu, John Fogerty donc avec le Creedence Clearwater Revival, immensissime Presta, puisque ça sera la Sold Out en France, donc pour nous c'est vraiment intéressant. Le lendemain, donc le vendredi, nous aurons deux têtes d'affiche importantes qui sont Chris Isaak et Rivalson, un groupe, un peu le Led Zepp nouvelle génération. Donc deux têtes d'affiche assez complémentaires. Le samedi, on ouvrira avec Rodrigo Gabriella. Donc c'est deux Argentins qui sont maintenant qui ont une très grosse carrière en France, ils sont vraiment connus. Et la tête d'affiche de ce soir-là, ça sera Francis Cabrel, en grosse formation, ça c'est magique. Trois dates en France, donc guitare en scène, vraiment intéressant. Et le dernier soir, donc le dimanche, on va ouvrir avec Eurythmics. Alors que ça fait rire les gens, parce que ouvrir un événement avec Eurythmics, ça paraît fou, mais c'est comme ça. Ensuite, ça sera notre parrain, Marcus Miller, le plus grand jazzman, le plus grand bassiste mondial. C'est un type extraordinaire qui crée des jams sur toutes ses soirées. Voilà. Et on finira avec Nile Rodgers. Alors forcément, je vais même pas en parler parce que bon, c'est une légende planétaire qui est en tournée mondiale. On aura une formation monstrueuse de 9 musiciens puisque j'étais les voir à Paris là, cette semaine. Voilà, en gros, après il y a beaucoup d'autres artistes bien sûr, mais principalement ce sont eux. Donc, chouette édition. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que c'est la 17e quand même. Donc voilà, et c'est un gros investissement, beaucoup de monde. On a une quarantaine de personnes bénévoles à l'année, plus des salariés, 300 bénévoles qui sont là sur la scène du festival pour la semaine. Donc voilà, une grosse organisation, des gros partenaires techniques, donc des grosses sociétés qui sont vraiment spécialisées dans les gros événements, qui nous accompagnent maintenant. Donc ça, et puis bon, c'est un projet quand même particulier parce que déjà on est le seul événement de cette dimension-là qui est couvert, puisque nous la scène principale est complètement couverte, donc beau temps, mauvais temps, on n'a pas de problème. Et on limite la capacité, la vente de billets à 5000 billets par jour, ce qui est très peu en fait par rapport à ces artistes-là. Donc c'est un concept qui est vraiment unique. Ce qui nous a valu d'ailleurs en fin 2023. Dans le Rolling Stone Magazine, qui est pour nous notre curseur, hein, d'être dans le top 10 mondial, donc c'est quand même formidable. Et ça se passe chez nous, en Haute-Savoie, donc il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis au Savoyard un pur et dur, et j'aime vraiment mon pays. Et il y a une vraie fierté à avoir créé un événement qui est devenu mondial, quoi. Oui, en fait, c'est un pari fou au départ, qui est devenu une vraie référence dans le monde des festivals et dans le monde du spectacle, en fait. Et donc on en est fiers. Et puis on a quand même toute la Haute-Savoie derrière nous, quoi, qui nous soutient. Ça, c'est quand même pas rien du tout.